1583 ou à suivre Caméra Mosaïque sur MCTV. Bien, je dis à nous pour parler de violence domestique dans la communauté haïtienne nan, après disparition le 16 mai qui s'est passé là de Florence Beaulieu dans la ville Bourton. Il était âgé seulement de 37 ans. Mais côté dans l'après-midi du vendredi 16 mai, la police dans la ville Bourton te recevoir un appel de monde qui était dans la zone Forest Avenue. C'est là, dans le numéro 124, que la police dans la ville Bourton a découvert le cadavre ensanglanté de Florence Beaulieu. Au moment que nous avons parlé là, et près de deux semaines après, la police dans la ville Bourton, autorité dans l'État Massachusetts, continue à faire enquête pour déterminer qui retirait la vie à compatriote haïtienne ça Florence Beaulieu le 16 mai vendredi 16 mai qui s'est passé là. Lundi 26 mai dans la ville Bourton dans la soirée organisation femmes haïtiennes en ville Bourton AFAB t'a organisé une marche avec un vigile à la mémoire de Florence Beaulieu. Dans le studio nous pas ici et dans la ville Randolph nous gain avec nous Judith Alexandre, c'est ancienne présidente de conseil et administration AFAB. Qui le nous-mêmes nous connaît que ça est arrivé dans la ville de Bourton? Oui, tout d'abord, on a salué tous les téléspectateurs qui ont regardé nous jeudi. Hein? Et nouvelle là tombée, même côté nouvelle là tombée, hein, nous sommes servis pour connaissance de lui. Et parce que tout membre tout monde de tous les côtés relé affable pour faire connait que gagnen yon nan se nou yo qui tombé dans de conditions et terribles. Donc jour 16 mai à ce même jour nous te prend mais le ça nous même là fin quoi nouvelle là pour nous te gagne plus de détails qui ça nous te fait bon pour nous te gagne plus de détails nous chercher faire connexion avec l'autre organisation haïtienne qui gagnen dans zone Bourton là qu'on ça tout nous chercher et faire connexion avec famille. OK. Oui. Mais nous apprendre que c'est pas et famille c'est pas il pas longtemps que yo vinn à vivre dans l'état Massachusetts mais qui était facile pour nous de joindre contact ça. Famille parents madame Enik et Florence Beaulieu yo pas vivre Massachusetts, ils vivent Orlando. Donc c'est à cause de nouvelles ça, c'est à cause de Kassa qui fait yo rentrer maman là avec papa, yo rentrer et venir mais il y a quelques cousins, l'autre parent qui était dans zone là. Et puis madame Florence Beaulieu lui-même défunte là, c'est deux mois à peine il gagne depuis le rete bois dans adresse côté nous te fait vigile là hier soir là. Bon, ça qui est extrêmement important, vigile que nous organiser avec marche là que AFAB fait dans ces conditions ça qui était objectif en telle activité comme ça. Objectif là, il y a plusieurs volets là-dedans. Premièrement et premier volet là, c'était montrer support nous à famille parce que il était important pour famille et ouais et comme nous t'étendel tout petit monde dit ça, il était très content pour ouais que communauté avec yo pas pour compte yo. Deuxième et objectif là, c'était et conscientiser moun sous présence domestique violence sous présence violence domestique parce que quoi que nous connaît li là mais en pile fois nous on tient gens reposer ignorer li jusqu'à ce que nous tendez gon cas comme ça encore crivé et puis moun penser avec elle mais domestique violence ba qui tellement compliqué et qui tellement gen conséquences et fâcheuses que li important pour son bagage nous tout temps nous toujours à travailler sur lui et pour détecter domestique violence il faut que ou focus sur lui autrement les capacités devant là inaperçu par exemple nous entendez tout le monde dit tout le monde côté et Florence qu'on travaille il dit il pas jamais pensé que il était une victime et il était à subir domestique violence dans foyer. Oui mais est-ce que c'est pas ta occasion et mon cap garder mission ça ou même nous-mêmes qui travaillons dans le temps dans la FAB, dans le domaine ça, pour nous dire qui, leur un compatriote qui vit dans l'environnement, qui signe ou qui cherche dans le monde qui vit là, ou qui détecte la qualité pour où son monde peut-être qui est capable de la qualité de faire face à des difficultés de ce genre.
Avant de répondre à la question, ça va me dire troisième raison qui fait noter et organiser vigile là. C'est parce que, comme on connaît, jusqu'à présent, il y a quelques informations que la police Brockton a cherché toujours. Donc, c'est pour encourager les gens, si vous avez une communauté qui connaît, si vous avez une qui t'étend, mot d'ordre là, hier soir, c'était, if you see something, say something. Et c'est ça, si vous êtes ouais en bagaille, si vous êtes tendé en bagaille, pas hésiter. Si vous connaissez en bagaille, pas hésiter, les Brockton police ou bien passer dans la station et puis dire que, mais sortez qu'on est et puis bah information parce que jusqu'à présent il y a mené enquête là pour aboutir donc plus information que vous gagnez c'est plus vite il y a arrivé résoudre ça et puis c'est important tout comme émission ça n'a fait là c'est pas seulement état Massachusetts n'a mettez sur internet tout son bail que tout le monde à travers le monde n'a capable well un monde qui a fait un crime mon côté là et puis son l'autre côté où le réfugié là et puis où est mon nouveau qui vient dans quartier là qui paraît suspect etc. C'est important c'est pas mon état Massachusetts seulement qui t'a capable d'intéresser avec une question comme ça. Oui, définitivement. Et par contre, dans les années 90, dans début années 90, tu as gagné un crime comme ça qui était fait, et c'est la communauté haïtienne qui a résolu. Dans Somerville, je me souviens, Somerville Police, tu as dit que, ah, si mon monsieur est allé à Haïti. Et pourtant, il était là dans la zone et Watertown, c'est la communauté haïtienne, quand tu es là, il a tiré les polices, il a dit, mais il est là. Donc il y a quelqu'un qui a quoi qui fait tout, il y a des crimes qui fait dans zone Floride et puis on a pensé que le t'a caché Haïti et puis aujourd'hui. Oui, c'est juste il est très bon à chercher mon dans quelque soit pays. Donc pour mon pas hésiter si on cas comme ça et même si mon dans son monote connaît longtemps, imaginez nos crimes ça qui fait là son crime odieux lié. Pour gen 4 ti moun kounye an, pi grand gen seulement 16 ans, pi piti a son ti moun ki nan l'âge préscolaire et puis pou ou la gen 4 ti moun kon sa sans maman et jusqu'à présent pa gen papa ki répond pou yo et ou gen 2 moun ki te pran retraite yo déjà kounye ki pral recommencer pou élever 4 ti moun piti. Vous comprenez donc c'est un bagage qui est terrible donc si gen un monde qui gagne information quelle que soit information préférez qu'on bail plus information nous joindre plus information que moins si mon n'a intimidé ou bien si mon n'a gen problème pour parler anglais etc. li mettre les associations femmes haïtiennes en Boston nan 617 287 0096 pour lui demander aide qui jan yo capable aider li pour communiquer avec la police dans Brockton. Yeah, parce que ça veut dire que c'est extrêmement important. Par exemple, côté et victime dans l'immédiat de travail, là. Par exemple, il y a un ami, il te fait un petit confidence, c'était donc un petit bagage, et puis il doit se tisser ça ou le partager à la police qui permet la police même de découvrir. Oui. Et puis l'autre aspect, là, nous avons un criminel qui est dehors. Nous avons un criminel qui est dehors. En général, surtout si ça a un rapport, nous connaissons madame Florence était une victime domestique violence, nous pas gain doute de ça. Mais si la molle gain rapport avec violence, il était qu'on a subi dans caill là. Et en général, monde qui peut être capable abuser monde, c'est pas un seul monde l'abuser, c'est quel que soit monde, gain deux fois yo ouais, yo abuser maman, yo nous connaît, nous gain côté nous connaît monde dans communauté nous même qui qu'on abuser petite yo, madame yo, propre maman yo. Donc, son question de pouvoir, son dialectique entre pouvoir et quel que soit moun nan capable exercer pouvoir sou li. Avec contrôle. Contrôle avec pouvoir, quel que soit moun nan capable exercer sa yo sou li. Et moun sa a risque pour abuser. Donc, nous pas vle si ta gen rapport avec ça, et nous pas vle quitter un moun comme ça dehors. Donc, même si moun nan c'était frère ou litéye, et ça, ils sont dangereux et pour la société et général, même pour et Jean Noueli pour propre famille ils sont dangereux parce que son monde ou ta ou ka bon Jean yo dit cadavre on pas gain détail mais quand même et pour monde font comme ça des quatre petits monde derrière vous avez dit que gon ba qui pas marche au café n'importe bagaille. Oui, et question de poser avant on t'a parlé de objectif là qui ça au monde qui cherche en du bon compatriote qui travaille parce que donner ou pas bay menti c'est plus femme qui victime et nan kasa oui, yo oui. Ou kon femme kap travay kota avec ou qui ça ou kap chercher non fi non compatriote kap travay même kota avoir pour dire ah semble moun ça son moun kap fait face à gros difficulté qui ka déboucher sur désastre.
Pour signe. On collègue, si on a observé nos collègues, c'est que mona les gain y aurait les sahi qui en anglais les gain col fait mac les gain mac sous col et si ouais mona gain mac sous col ou bien tout mona tout temps li mette même le fait chaud li mette ba manche longue li mette ba qui gain cou haut et son bagage l'a caché côté paul pa paraît net donc son bagage l'a caché ça c'est un signe l'autre signe c'est que mona temps en temps moun sa yo perd du en pile jou travail et c'est ça qui fait yo même évaluer en termes de l'argent qui quantité l'argent que yo perdu dans États-Unis qui à cause domestique violence parce que moun yo obligé prend jou tout temps prend sick day parce que yo pas ka venir et puis si tout s'il en paraît que moun nan gen yeux l'enflé li gen ça c'est visible. Débat visible, li gen konkom nan tête li. Yeah. Bare sa yo, alo la toujours gen yon explication pour li parce que c'est pas frappé tête moi tombé, on va pe nan mur et cetera. Ça yo c'est signe qui évident que on moun e a subi abus la kayle. Oui mais non ka konsa, on collègue de travail ou wèk nan situation ça, ki réaction normal pour moun gen. Réaction normal c'est approcher moun nan et puis faire moun nan konnen ko la pou li. Ou là pour les ka compter sur les ka compter sur et c'est ça c'est premier bagage au monde qui a victime bagage ça les besoins qu'on est c'est que les pas pour compte li ou la avec même si c'est famille ami tout les fait le connaît que le pas pour compte li ou la avec et qui j'en ta remet que ou aider mais dans cas ça dans cas comme si me dado signe physique sont pas facile pour détecter mais le gain des aspects psychologiques tout aspect monde c'est plus dans tête des malades, des victimes, mais il pas gendo pas grand ken signe sous corps li, yo pas frappé et cetera, gendo c'est abus mon y a dit le mauvais parole et cetera, moun sa li gen des problèmes tout. Mais qui jont ka détecter problème ça dans ça? Bon, moun ki normalement abus physique là, li pas commencer avec abus physique, li toujours commencer avec abus verbal. Li gen question finance. Et puis nous même dans communauté haïtienne nan nous en pile abus côté moun nan fait moun menacer moun nan que la prélé immigration pour ou bien ça c'est moun qui est entré ici depuis pas une relation et puis pas quoi qui pas bien pas légal ou bien tout si moun nan pas parler anglais majorité nan yo isolé si yo pas parler anglais moun nan ka faire abus yo tant comme gen moun qui dernièrement qui victime k'ap di moi que Maril Dili l'a fait déporter et moun nan gen papier mais li pa konnen système nan li pa comprendre système nan donc c'est ça et c'est pendant une occasion tout pour nous ta faire tout monde qui a regardé émission ça toute femme qui a regardé particulièrement femme qui a regardé émission ça puis konnen même là dans la situation yo illégal si yo victime de violence domestique yo reporter eh bien yo pa ka déporter dans cas yo pa déporter yo gen loi et ici qui pa déporter qui protéger yo et puis qui ba un statut spécial pour yo ka rete dans pays a mais c'est si yo dénoncé abus ouais parce que et nous même nous content de nous parler à autorité nous kembe tout ça fait nous dans la canon si nous fait ça comme ça kounyen abuyan moun n'a souffri abuyan pa gen moun ki konnen pa gen côté ki gon rapport ki ka prouvé parce que n'importe moun da ka marcher yal di mais mari ou abusé ou ka prend résidence mais faut yo gen joine preuve que gen abuyan ki te fait vraiment et dans ce cas si yon moun nan ka ça pas hésiter et relé à Fab temps en temps m'a ba numéro là 96 et pas hésiter relé nous et puis gen moun ki là pour ça gen employé ki là pour ça qui pour aider pour connait pas qui moyen pour passer pour joindre aide ça mais bon n'a fait gen aspect éducation n'a fait là tout mais est-ce que d'après vous même compte tenu de expérience nous dans monde qui fréquentait à Fab qui dans connait dans situation réelle ça on doit parler ou doit parler de à partir de ça ou dans livre qui ça au monde vient dire mais là au monde c'est monde qui dans situation il pas aussi facile hein pour monde venir pour faire rapport là sortir dans situation côté quelque fois monde c'est coincé ouais domestic violence c'est une forme oppression extrême liée et oppression par lui-même il y a une dynamique là dans côté lui arranger tête lui pour pas qu'à sortir en balle et domestic violence ouais même caractéristique ça yo encore plus parce que c'est dans contexte familial lié. Et
Donc nous comprenons que c'est pas facile pour moun nan sorti nan situation. Mais cependant, et yon aspect qui kembe et situation, c'est isolation. Et c'est yon nan premier bagay on moun ki on abuse la fè, la pizolo, li pa vlo pale a maman, li pa vlo gen zanmi, chak moun nou communique avec yo, yo gon defo. Donc yon nan bagay ki bon pou moun nan evite, c'est essayer retirer tête dans isolation. Ou pas qu'à parler à fois n'importe qui moun nou ka comprendre ça. Mais ou gen famille ou famille, faut qu'ou gon moun ou moun fè confiance. Si c'est pas famille ou c'est peut-être un moun l'église ou, mais faut qu'ou gon moun ko fè confiance. Et tout yon nan l'autre aspect comme n'a fait éducation tout là, li important si ou chèche aide. Si ou chèche aide, li important que ou cherche aide là yon façon pour moun capable bezo là li pa konnen si ou chèche aide là. Et là ou chèche aide là tout, il faut qu'ou chèche aide nan men professionnel. Parce que professionnel là li konnen ki jan de planification, c'est tout en planification pour ou faire avant pour edo protéger tête ou et puis protéger petit tout. Et ça son bagay qui très important. Nous connons pas le poser mon pile follow-up question sur ça. Non, mais quoi aspect encore, mais m'a touché question parce que le ou commencer réagir et c'est comme ça oppression y. Dynamique oppression c'est que le ou commencer oppression a commencer ou réagir pour ta sortir en bas jou oppression ça le fait lui même la redoubler dosa. La pral fait bagay la pral pire toujours pour ou. Donc il faut que pour capable courber. Il faut que ou gen yon moun ki professionnel dans la matière ki konnen ki jan bagay dynamique sa yo marché pou ka edo fon planification pou kontre kare bagay sa yo et ki rôle et petite jouer nan ka on fi ki oppressé ki parfois ou konn tande sa ki ah mon cher c'est vrai oui nèg la pa bon nèg la ba problème mais côté ou konnen ou fin marié déjà nous gen trois timoun ensemble etc. Qu'on va divorcer qui était nèg timoun n'a pas levé pour compte avec maman sans papa qui rôle ça jouer rôle comme si importance que la femme haïtienne bail avec éducation petite ouais et question timoun et tant que toute question qui gen rapport domestique violence li complexe tout majorité et surtout le n'a regardé nous-mêmes dans communauté haïtienne timoun yo gen tendance kembe maman na relation et abus parce que et en général papa yo gen tendance fait plus cob et maman gen doit pas gen trop longtemps ici maman gen doit pas parler anglais parce que moun ki gen question contrôle yo pas pral quitter et aller améliorer vie ou comme ça yo préféré que ou rete en bas contrôle yo pour nos situation de dépendance totale. Donc et moun sa kounyen li nou situation côté même lèl ta vle kite même lèl pare pou kite lèl li explique aux situation ou même ou wè ke l pa ka kite comme ça et surtout lèl gen ti moun nan relation encore lèl kite a gen tout ton plan pou ta faire pour faire avèl pour ka assurer que ti moun yo a l'école ti moun yo jwenn manje ti moun yo occupé normalement que ti moun yo gen assurance mais moun ki nan situation li pa konnen ça. Et grand pile moun tout gen deux fois moun na cherche aide dans men yo pa konnen bagay ça. C'est moun ki professionnel ki fait travail avec moun ki victime domestique violence, moun sa yo konnen exactement ki côté pou yo voyo, ki côté pou y aller avec ou pou ti moun yo ka joine tout ça au besoin pou yo ka grandi. D'après toute étude ki fait, li pi bon pou quitter en relation ki pa marché, en relation violente. Li pi bon pour quitter pour ti moun yo lever avec un seul parent au lieu que ti moun yo rete parce que gen de conséquences très très graves le ti moun rete à vivre dans la situation là gen conflit toute la journée tout oui même si relation pas arrivé dans point violence physique donc le arrivé dans point violence physique là pa gen deux bagay c'est que c'est chapé pour l'avec ti moun yo sou pa vle yo prend dommage et plus tard dans la vie. Et qui rôle, encore une fois, ça nous a relé culture et jouer dans qui disposition fille a pour le faire pour sauter dans la situation. Parce que, il y a des fois, et toute information, il y a très important, mais il y a des fois, culture, nous, c'est tellement un impact sur nous dans tout ça qu'on a fait, et qui, genre, comme si nous-mêmes, dans la FAB,
travail pour nous faire qui j'en li rend travail nous difficile. Culture nous rend travail difficile sur plusieurs points. Par exemple, et moun marié gon certaine importance que on moun ki divorcé pa gen. Et automatiquement on fi divorcé, peut-être que garçon divorcé a yo pas tellement on grand chose à donner, mais automatiquement on fi divorcé. Et comme si m'ta do gon pourcentage, gon problème ou gen. Oui. Ou gon problème ou gen ki fait mal ou pas traité avant. Actually, l'ordre divorce, même si c'est fille qui mande divorce là, qui prend divorce lui-même, mais dans communauté nous, nous gen tendance well, c'est comme si m'ta do fille a gon problème qui fait garçon pas traité avec. Ça c'est yon nan bagay ki bay ki empêche que mesdames yo et prend décision pour prend décision pour yo quitter relation. Et donc c'est stigma n'a dit qui gagne avec question divorce dans communauté nous. Et c'est kounyen plus ou moins wap wè et moun a parlé de divorce en Haïti. Et mais c'est pas un bagay vraiment que moun te kon fè. Gen moun konnen ki gen longtemps depuis ou pas avec Mario, mais mon divorce là seulement ou pas vle tande et ou pas divorcé. Nous gen question religieux parce que nous sommes communauté qui et l'église a plus d'importance religieux. Donc question divorce ça l'église ou pas accepté. L'église ou pas accepté et l'église ou encourager moun rete nan relation. Ou fait tout son capable pour voir si ça ta marché. Oui, pour faire tout son capable pour voir si ça ta marché même le monsieur a la vie de bâton sur. Donc tout bagay sa yo li rend ni plus difficile pour yon fi kite et li rend bagay sa yo rend ni plus difficile tout pour association, toute association qui travaille avec femme pour ou conseiller moun nan dans situation comme ça. Nous obligé prendre situation yo avec un pile tactique parce que gon certaine formation que clergé en pile fois le coup yo gen problème. Automatiquement premier côté aller c'est côté clergé, c'est côté pasteur yo, ou bien c'est père etc. Et même en Haïti y aller dans question vodoto y aller kay gangan tout pour wè si gangan ka adouci monsieur ya. Vous comprenez? Donc mais moun sa yo pa gagné en formation pour travailler avec moun qui victime domestique violence. Et m'pas dit ça non sens critique non sens négatif. Dans ce sens, m'a dit la formation pour gagner pour travailler avec les victimes domestiques violence, même l'on a étudié et service social. Yo gen de cours très spécial le voyo prend et puis gagner stage pour al fait au côté au travail avec moun ki victime de domestique violence et tout temps faut recycler, tout temps faut recycler. Et donc li très important que l'on moun a chercher aide pour chercher aide dans mes professionnels ça. Kou nyan nou menm a fab, travay nou fè pou esye kontrekare et tout e problèm sa yo. Donc, ou pa menm ki te m pose kesyon, parce que son ba normal pou vini, ou ta pal pale e relasyon nou gen avèk le clergé haïtien pou esye. Donc, nou menm a fab, sa nou fè, se ke nou fè edukasyon. Nou fè edukasyon en general, men nou gen kek group ke nou fokus sou yo, parce que se de point clé yo ye nan adrese kesyon. Ou ap suive kamera mozaïka chen nan 283 tout partout nan état Massachusetts. Invité nous, c'est Judith Alexandre, ancienne présidente de conseil d'administration AFAB, n'a parlé de disparition d'une violente, tragique de mon compatriote haïtienne Florence Beaulieu, 37 ans, 16 mai qui s'est passé là dans ville Bourton côté et la police de Bourton après un appel a découvert cadavre ensanglanté de compatriotes. N'a pas pause avec commanditaire n'a tourné tout à l'heure.